qui sont logés, nourris dans de très bonnes conditions. Nous accumulons les études et les loisirs, comme le sport de taekwondo, les matchs de football, les séances de cinéma au soir des mercredis et jeudis, notre week-end. Nous organisons aussi chaque année des sorties pédagogiques au niveau de la région de Dakar. Dans cet institut, Michel Ambassadeur, nous ménageons aucun effort pour le confort des enfants,
raison pour laquelle nous voulons construire un immeuble R+5 pour mieux réaliser notre objectif. Monsieur l'ambassadeur et monsieur le délégué ici présent, nous sollicitons vivement votre apport et celui du gouvernement dont vous dirigez, monsieur l'ambassadeur, et dont le président est monsieur Mohamed Bouhari, pour la réalisation de cet édifice. Son Excellence, je ne saurais terminer sans pour autant remercier notre créateur, notre patron, notre père, notre oncle, vraiment monsieur Chérif El Hadi Niama Abdellah, qui travaille tout son âme et par son corps pour la réussite de ses enfants. En principe, il représente leur papa et tout ce que vous voudrez. Pour cela, il existe ici 6 élèves qui ignorent l'existence de leurs parents sur cette planète Terre. Et c'est lui qui prend cette responsabilité en charge. Nous prions pour lui et nous l'encourageons aussi pour aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse, vous ici présents. Merci beaucoup, que la fête soit belle. Donc, sans vous garder, Monsieur le directeur général de l'Institut moderne à l'Issab, Chérif El Hadi Niam Abdellah, Son Excellence, ambassadeur de la République fédérale du Nigeria à Dakar, Monsieur le délégué du quartier Papa Babacar Gaye, Monsieur le représentant des professeurs Staz Mohamed Silla, chers élèves, chers invités, par ma voix d'assistant de direction de l'Institut, nous vous disons les bienvenus. Son Excellence, l'Institut Al-Issab est né pour une raison sûre, d'enseigner le Coran et les sciences islamiques. Il œuvre pour former un enfant qui sera capable d'aimer de diriger le monde. C'est pour cela que nous avons une multitude de nationalités ici présentes. Des Sénégalais, bien sûr, des Nigérians, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, des Français, des Américains, des Mauritaniens, des Espagnols, des Gambiers et j'en passe. Ainsi, nous avons deux formules d'études, l'internat et l'externat. Pour enseigner le Coran et les sciences islamiques pour permettre aux jeunes de demain d'avoir une intervention dans le monde moderne. Merci beaucoup, que la fête soit belle. Merci beaucoup, Madame la Réfète, Inch'Allah. Et nous allons donner la parole à Abdelaziz, le représentant des élèves masculins et aussi l'Institut, mais aussi les élèves du Nigeria. Abdelaziz. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Your Excellency, Mr. Ambassador of the Federal Republic of Nigeria, Director of Al-Issab Institute, esteemed guests and my fellow students. I am speaking on behalf of my comrades who are here with me. First of all, my name is Abdulaziz and I am from Oyo State in Nigeria. I have been in Al-Issab Institute since 2019. I came here to learn Al-Quran and Islamic sciences. And there are some of my fellowship people that are from Nigeria, just like Amsian from Gombe State, and Muhammad Ali from Yoga State, and Ibrahim from Lagos State, and Muhammad from Oyo State, and Ahmed from Gombe State, who have already known us at Grand Advance. And today, we people of Al-Issab Institute, we are glad to see you, and our director, Mr. Chérif El Hadi, have the happiness and the pleasure of seeing you by his side. Your Excellency, Mr. Ambassador, you are here. Welcome to Prestigious Institute. It is an honor to have you here with us, and we would like to thank our director, Chérif El Hadi. May Allah bless you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Ambassador. Je suis très content de recevoir notre tour pour vous, de si grande personnalité. La patrie du Nigeria. Le Nigeria n'est pas un petit pays en Afrique. C'est le premier pays africain d'ailleurs. Donc, si le représentant, s'il a l'humilité de venir voir des daras comme ça, c'est parce que vraiment un pouvoir qu'on a, un vrai musulman, c'est la patrie du Nigeria au Sénégal. Je vous en remercie beaucoup. Je suis très content de voir un daras comme ça. Si tous les daras étaient comme ça, aucun parent n'allait hésiter à amener ses enfants au Dar. Ils sont pas, on ne les voit pas dans la rue. On les voit bien habillés. Et à chaque fois que je viens ici, c'est la première chose que je remarque, c'est que les enfants sont toujours bien habillés. On ne les voit jamais dans la rue. Personne ne peut dire
qu'à Sagem, il y a un gala depuis les 100 élèves, parce qu'on ne les voit pas dans la rue. Ils sont bien intégrés, ils sont bien éduqués et ils sont bien logés. Voilà pourquoi on ne les voit pas dans la rue. Personne ne peut savoir que ce gala a plus de 100 élèves. Ça, c'est M. Hadi qui va diriger pour ça. Et nous souhaitons une grande réussite pour ce que vous entreprenez, ce gala. Que ce soit l'un des gala les plus connus en Afrique. Parce que vous avez des électeurs, parce que tous les pays africains, tous les pays africains, nous avons senti que nous avons mais c'est que l'ambassadeur de l'Afrique, il y a un peu de temps pour me faire un peu de temps. Il y a 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 un peu de temps. Il allez, sept mois, il faut le faire sept mois. Vous l'avez dit, 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 vous l'avez donc je veux dire from daal moy directeur bi mon extra di mon ak xalé yi mo ligue ak ñom Cheikh Hadi Niam Abdallah c'est le délégué du quartier Monsieur Balakar Gaye tout ce qu'on a ici il est présent ici c'est lui qui se fait c'est tout à l'heure qu'il a appelé téléphone pour lui informer de cette situation. Et s'il le voulait, il pouvait dire voilà, il a des empêchements. Et il avait accepté aussi. Mais il a laissé tout ce qu'il faisait pour venir assister et rendre visite ici. Ça montre aussi la valeur exacte qu'il a encore. Donc, monsieur le délégué, je vous remercie bien. En principe, je vais remercier toute l'équipe qui est avec lui. Il fait d'enseigner le Coran, des professeurs. Et des gens qui travaillent dans la cuisine, et celui qui sont à la secrétariat, et tout le monde, je vous remercie. Parce que ça, c'est votre beau travail. Et ça, c'est notre chaque fois. Et on lui adresse ça. Mais ils disent que c'est vous qui travaillez cela. Et ils vous remercient tout le monde. Monsieur l'ambassadeur, on vous dit encore bienvenue ici. Et on vous dit, marhaban, ahlan wa sahlan, soyez bienvenue. Bienvenue. Et welcome. Thank you so much. Ok, merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, chéri. Il y a plus de choses. Here you have from people from Gambia, and I'm from Gambia.
I don't know how many of them are here can speak Hausa. How is it in Hausa? Come on, Musubia. No, just can I do Hausa? These are all our children. I'm very proud to have all of you, to see all of you. And this is something that I think we should encourage our governments, not only in Senegal, but also in the area, individual philanthropists to support this institute. I will do my utmost to encourage more support for this group. Thank you very much. Maybe just tell them a bit of what I said.